Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de FIFA 20. Voilà, vous savez, EA a, comment dire, a montré quelques petites parties du gameplay sur FIFA 20 que je ne vous mettrai pas dans la vidéo, sinon je vais me taper des droits d'auteur, tout simplement. Donc il y aura un nouveau système de coups francs et de penalty. Donc on ne serait plus sur un système voilà comme cela où on peut bouger comme ça et mettre la frappe où on veut. Bon, moi ça me déplaisait pas ce système, mais bon voilà, ils ont décidé de changer. Mais on partirait sur un système de curseur, donc qu'on pourrait mettre dans la position qu'on veut. Alors mon avis là-dessus, j'espère que ce sera pas trop cheaté tout simplement. Parce que si on met le curseur n'importe où, qu'on fait des trajectoires de ouf et que ça rentre, ça va être du n'importe quoi. Après j'espère qu'on pourra continuer à bouger le joueur pour faire des extérieurs du pied. Bon, même si j'en faisais jamais, mais bon voilà. Que ce soit réaliste quoi. Parce que si on met le curseur n'importe où et que c'est un peu comme le jeu là sur mobile, je sais plus comment ça s'appelle, et qu'on peut mettre n'importe où, que tu mets ton curseur n'importe où, ça rentre. Voilà, ça va être trop simple si c'est mis comme ça. Après, à voir. Hein. Voilà, ce sont que des images et des vidéos, mais j'espère que ce sera pas cheaté, voilà, qu'on pourra pas mettre le curseur à l'endroit où on veut et que ça va rentrer comme dans Galactic Football quoi. Si c'est pour faire des frappes à la Galactic Football, ça va être du grand n'importe quoi. Et de toute façon, si c'est du grand n'importe quoi, ils vont le patcher. Ensuite, les pénaltys, ce sera de la même chose. Donc on aura un curseur, on n'aurait pas le système de flèche. Ce sera un curseur où on pourra modifier la position et pouvoir mettre une frappe là où on veut tout simplement. Alors pareil, le même avis, je sais pas si ça va marcher ce système, à voir, mais bon voilà, ils ont voulu changer. Après, je sais pas si c'était nécessaire de changer ça, mais bon voilà, ils recherchent le réalisme. J'espère que voilà, que comment dire, ce mode de penalty et de coup franc, ce sera pour le moins réaliste et ce sera pas du grand n'importe quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager et à me donner vos avis tout simplement sur les vidéos que vous pouvez voir un peu partout de FIFA 20. Voilà la team, bonne soirée.